Hey, what's up les potes? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur un jeu d'horreur sur PlayStation VR, c'est pour ça que je suis dans le noir. On va donc jouer en réalité virtuelle à Until Dawn, Rush of Blood. Voilà, donc j'ai essayé la première mission, franchement il y a des coups de stress. Vous allez voir surtout qu'en réalité virtuelle on s'y croit vraiment et que la pression elle est vraiment là. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires si vous aimez ce genre de vidéo. Et du coup je continuerai cette série sur Until Dawn. Voilà, allez c'est parti, bon visionnage. Une vie normale à faire. On va la faire en normal parce que la dernière fois je crois que je l'avais fait en facile. On va regarder un peu. Donc là c'est la première fois que je vais avec le PlayStation Move, franchement. Oh là là, c'est stylé, vraiment de ouf. Allez, mais la pression que j'ai, je n'aime pas ce mec, je vous jure, je n'aime pas. Donc bon, mon corps, vous voyez, c'est un truc de fou. Il me fait flipper, déjà rien que lui il me fait flipper là. Attendez, je crois, je vais essayer de monter un peu le son dans le casque histoire que je sois à fond dedans. Si ça vous paraît facile, allez-y. Montrez-moi ce que vous avez dans le... Allez, c'est parti, let's go. Alors j'y ai fait, mais franchement, je me re... Oh, on va derrière et tout, c'est ouf. Appuyez sur la détente. Ok, bro. Ah, bâtard, bâtard. Salut, mon salaud. Allez, c'est parti. Alors, vous voyez ici, il y a un compteur, je vais vous expliquer rapidement. Tain, la musique, elle est stressante en plus, c'est pas possible. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Je suis pas bien, je vous jure, je suis pas bien. Le jeu met la pression. Alors, vous voyez ici, en fait, il y a mes deux armes. Ici, on voit. Alors, je vais vous montrer, je vais vous expliquer par la suite, vous allez voir. Wow. Ah, je vous jure, vous avez l'impression d'être dans le wagon. Là, j'ai l'impression d'être dans le wagon, là. Je vous jure. Oh. Allez, let's go, mon pote. Alors, en fait, au début, on rentre dans un espèce de parc d'attractions chelou. J'ai vraiment l'impression d'avancer, je vous jure. C'est en fait, c'est un truc de fou ce cas. Je vous jure, les mecs, c'est. Hey, c'est stylé. Hein. Yeah man, on a tout eu. Là vous voyez ça monte le compteur, là je suis en x5, vous voyez. Et en fait plus je monte, vous voyez ça redescend aussi en bas. Plus je monte en fait et plus je vais avoir un bonus important après par la suite, vous allez voir. Faut que je cherche des cibles, ça m'augmente mes armes en fait. C'est un truc de ouf, je vous jure, j'ai l'impression d'être dans un parc d'attraction les mecs, vraiment pour de vrai. J'ai pas été assez rapide. Je sais qu'il y en a là. Ah, c'est chaud mon pote. As de la gâchette mon gars. Continue. Donc là je suis en x5 toujours. On va continuer. Let's go. Là on va casser un peu les caisses. Tout ce qui est une cible en fait faut le péter dans ce jeu. Ouais ça permet de maintenir le bonus. Voilà petit canard là-bas. Je casse tout. Ça fait vraiment chelou, je vous jure. Ok, bro. Ok, bro. Ok, bro. x6, on est pas mal. Je suis chaud, les mecs. On n'a pas le time. Vous avez déjà entendu l'histoire du type coincé sur un carrousel? Un pilote, tu te racontes des histoires, mon gars, qui font peur. Allez. Ok, ok, c'est l'échauffement. Je suis en x7, bro. Hier je l'ai fait à la manette les gars, je vous jure c'est grave mieux avec les PlayStation Move, je suis content de les avoir pris aussi.
Ah là, c'est stylé, regardez. On va pouvoir mettre notre tête, en fait, dans la... Hop, et là faut se baisser. Voilà. Et là je vous jure, j'ai vraiment l'impression de monter. J'ai l'impression que je suis collé au fauteuil en arrière et que je suis en train de monter. Mais vraiment, je vous jure, c'est un truc de ouf. Ta gueule. Il veut me faire des blagues. Et je l'ai déjà fait hier, franchement, je suis encore en panique. What the fuck? C'est énormissime, je vous jure. J'ai l'impression que c'est mes mains, c'est à la place de mes mains, c'est dingue. Oh. Holy shit, man! Wow. Oh, l'effet que ça te fait, mon pote. Ouh, t'es pas prêt. Ah, j'ai cassé. Je savais même pas qu'il y avait un truc là. Eh, ça fait vraiment bizarre, les mecs, je vous jure. Olé! 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 Eh, eh, eh! Oh, le bâtard! C'est vrai, c'était comme ça, j'ai oublié. Ah, mais là, ça commence à être chaud là. Là je crois que ça va remplacer mes guns. Ouais c'est ça, là, je suis bien là, maintenant je suis armé, équipé. Hi. Ils sont mortels. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Wow mon gars, je suis pas bien. Je jure les mecs, en réalité virtuelle, c'est l'effet, il est multiplié par je sais pas 100. Oh bâtard. Oh, 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 je me rappelais plus de ça. Ouh. Enculé. Excusez-moi pour les insultes hein, mais c'est mon premier ressenti qui ressort là. Je me concentre sur les cibles quand même parce que je crois que ça fait améliorer mes armes. Oh. Je vise mal là. Il se passe quoi ici déjà? Ouais, je suis. Oh, me fait flipper elle! Non, 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 je suis pas bien là, les mecs. Ah, ah, c'est quoi ça? Oh, oh. Bon, tranquille avec tes trucs là. Ah, ça fait. Oh la vache! Par hasard, il y a une petite musique et tout d'enculé là. Ouh. Oh là là, oh là là. Ah, j'en souvenais de lui. Ah, ça fait flipper de ouf les mecs, je vous jure. Oh, je suis en train de mitrailler tellement j'ai peur. Oh, je vous jure, ça met la pression les jeux comme ça, c'est pas bon. Laissez-moi tranquille, madame. Et vous savez quoi? Je vais pas vous mentir, hein. Des fois j'entends des bruits derrière moi dans le casque, j'ai même pas envie de me retourner. Je me retourne pas, c'est mort, je veux pas savoir ce qu'il y a. Bonjour. Oh là 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 là. Headshot, motherfucker. Oh voilà. Oh 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 oh. Ça, on les entend bien dans le casque, lui. Laissez-moi tranquille, messieurs. Ok.
À la base, je voulais pas passer ici, moi. C'était une petite attraction tranquille. Je vais juste tirer sur des cibles. Voilà, là, ça fait un effet de ouf quand vous... Là, j'ai vraiment l'impression d'être dans le manège. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que tu fais, toi? Laisse-moi tranquille, voilà, laisse-moi tranquille. Ils ont un rire. Oh, je suis pas bien là, je stresse. Je suis vraiment panique, je vous jure la vérité. Ça m'est pas bien. Il y a quelque chose qui est passé devant, on est d'accord? Voilà, là, là, là. Laissez-moi tranquille. Attends, mais on est dans des endroits de plus en plus exigus là. Oh là 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 là. Pas se casser celui-là. Oh, ça fait flipper là, il y a trop de bruit là. Hier, j'avais pas mis le son aussi fort là. Dommage, je le mettrais moins fort. Oh, attends, faut que je le baisse là, je suis pas bien. Je vous jure, je suis vraiment en stress. Oh là là. Passe quoi s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Oula, il a pris une disquette lui. Non. Non, non, non. Il y a un mec qui marche devant moi les gars. Je l'entends. Il est à ma gauche. Ah bâtard. Oh bâtard. Oh putain. Oh, j'étais pas prêt, je m'en souvenais plus. Voilà, on respire. Je suis pas bien. Oh, on a fini le premier niveau, les gars. Donc là, okay, j'ai pas découvert de secret. Objet 7 sur 20, c'est tout. Et vous voyez là, mon total B+, j'ai fait B+, voilà. Donc on a des petites notes à la fin, donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, on a fini le premier niveau. Vous voyez si j'avance. Il y a un deuxième niveau normalement, chargement du score, voilà, il y a un deuxième niveau, je vous le ferai dans une prochaine vidéo parce que là franchement, faut que j'aille me décompresser un petit peu, tu vois, franchement je suis pas bien. Par contre, putain, l'arme elle est vraiment magnifique. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette première vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais franchement, alors c'est clair et net que vous ressentirez pas ce que je ressens en regardant cette vidéo, mais ça fait vraiment, vraiment sursauter. Je vous jure que, putain, c'est un truc de ouf. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et puis, dites-moi si vous voulez le deuxième épisode. Voilà, je le préparerai à ce moment-là. Je vous dis à très bientôt, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss !